ben dis donc, mon vieux, t'as pas l'air bien en forme. T'as mis le temps. Je commençais à me faire chier ici tout seul. Bon, écoute, j'ai mis le temps qu'il fallait, hein, voilà, hein, j'avais encore un ou deux trucs à régler. En tout cas, t'as minci. Mais je dirais même que t'as sacrément minci. Écoute, ça doit être le voyage. Je me sens même avoir rajeuni. Bah, dis donc, toi, par contre, ils t'ont pas raté au niveau de la coupe de cheveux. C'est à cause des poux. Très drôle. Quand tu auras l'occasion, regarde-toi dans un miroir avant de te moquer. Oh, les salauds, ils m'ont rasé aussi. Ouais, des salopards nazis. Voilà ce que c'est. Écoute, je vais pas me plaindre. Tant que je reste suffisamment grand... Oh, pour... mais ça va, arrête, arrête. Je la connais, ta ritournelle. Du fait de ma grande taille, j'ai jamais pu m'incliner. Mais ça veut rien dire, d'ailleurs. Tiens, regarde-moi. C'est pas parce que je suis plus trapu que toi que je me suis incliné. Le général de Gaulle m'avait même appelé le premier résistant d'Europe. Paf ! La bouche. Bon, on continue de s'engueuler ou je te fais visiter ? Jardin d'Éden. C'est bien, c'est grand. Dis-moi, je rêve ou quoi? C'est qui ce mec en fauteuil là-bas? On dirait Chebleu. Ouais, je savais bien que ça te plairait pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fout là, ce carnassier, ce monsieur Nine? J'en sais rien. En tout cas, il est là. J'imagine même que la mère Merkel, elle doit pas être bien loin. Écoute-moi bien, je croyais que c'était un endroit bien fréquenté ici. Alors moi, je reste pas une seconde de plus dans cet endroit. Allez, viens, on se casse. J'ai déjà essayé, c'est pas possible. Comment ça? Tu vas voir. Te fatigue pas, je te dis. Cette porte, tu la franchis que dans un sens. Comment ça? On va pas rester coincé jusqu'à la nuit des temps avec Merkel et Chambleu, hein? Il doit bien y avoir un moyen de sortir, non? Y a bien les formulaires. Les formulaires? Bah, les formulaires. Les formulaires. Les formulaires, enfin oui, tu sais bien, l'administration et moi, enfin... Eh, viens voir. Bon, tu comprends maintenant? Je suis jamais arrivé au bout, j'ai fini par lâcher l'affaire. C'est sans fin ce truc. Pire que les formulaires de la Commission européenne. Tiens, c'est le formulaire des Danaïdes. Écoute, on va pas se laisser emmerder par un putain de formulaire. Hein. Allez, viens, on va défoncer la porte. Demande de réincarnation acceptée. Dis, il y a quand même un truc qui me tracasse. Ouais, dis-moi. Chebleu, quand je suis arrivé ici, eh ben, il n'était pas mort. Du coup, c'est pas possible qu'il soit arrivé ici avant moi, puisque je suis parti avant lui. C'est vrai que c'est tracassant. Alors, si c'est pas lui, c'est qui? J'en sais rien, moi. Franklin Roosevelt,
Larry Flint. Un mec qui fait du porno va pas au paradis, mon vieux. Mais enfin, il s'est quand même battu pour la liberté d'expression. Ouais, Dieu, il s'en fout de la liberté d'expression.